ce caravanier prépare ses yaks avec sa femme. Aujourd'hui, il va partir vers la frontière tibétaine et sera absent plusieurs semaines. La caravane démarre sous le regard inquiet de cette jeune femme qui voit partir l'homme qu'elle aime. Du haut de ce col à 5000 mètres, nous sommes saisis par le spectacle de plusieurs caravanes chargées. Après la fermeture commerciale des frontières en 1951, suite à l'annexion du Tibet par la Chine, les échanges commerciaux transhimalayens officiels ont disparu. Les caravanes de yaks ont repris depuis quelques années. Elle ne transporte plus le sel et la laine du Tibet vers le sud, mais achète sans taxes douanières le riz chinois, les céréales et les produits manufacturés au paradis des gadgets en plastique bon marché.